réfléchis. Mais je vais te donner 50 pièces d'or. Oh là, ça fume, je réfléchis, je réfléchis. Alors, attends. Là, j'ai une idée. Voilà. Alors, Barbeille aux causes, tu vois, la mariée, là. Tu vois, tu vas la donner tout en mailloté. Attends. Tu me suis, là, hein. Voilà. Et on va lui donner un homme sous les voiles et tout. Comme ça, Barbeille aux causes. Lui, comme il l'a fait à tout prix, la mariée, il la déballera. Et là, qu'est-ce qu'il va trouver? Un homme. Il veut trouver ça. Il va avoir la honte de sa vie, il va retourner dans ses montagnes. Bravo, Diabatis, bravo. Ça, c'est une bonne idée. Mais moi, qu'est-ce que je fais, là? Ah, vous, bah, vous avertissez votre fille. Ça me convient, c'est très bien. Bon, viens chez moi, récupérer ta paille. D'accord. Bon, oh là là, purée, mes cartes. Dans quelle galère je me suis mis encore, mon ami. Qui est-ce que je vais prendre? Et en plus, pour affronter qui? Merveilleux boss! Oh, mais là, c'est n'importe quoi, mais non! Caribus. Mais oui, bien sûr. Mais je lui dis bonjour. Il se jette à moi, sur moi, à bras raccourcis. Comment je vais faire? Comment je vais lui annoncer la nouvelle? Bon, c'est pas grave, tant pis. Allez, j'y vais. Papa, on frappe à la porte. Je sais. Va voir qui c'est. J'y vais. C'est Diabatis, papa. Oh non, pas lui. Va lui dire que je suis pas là. D'accord. Oh, salut à toi, monsieur Diabatis. Qu'est-ce que tu veux? Mon papa, il m'a dit de te dire qu'il était pas là. Ah, Caragiosis! Qu'est-ce qu'il me dit, le gamin, là? C'est quoi ces bêtises? Sors de là! Caragiosis! Oh, on se réveille! Quoi? Des bêtises pour toi! C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Oui, vraiment! Oh! Bon, je te donnerai des sous. Je crois que tu auras fait un petit travail pour moi. Oh. Alors, tu vois, tout à l'heure, je suis passée. Là, je suis une veille. Mm-hmm. Il m'a dit que ton oncle, la Barbeille aux causes, était allé voir Fatmé. Ouais, je sais. J'y étais. Elle en veut pas, absolument pas. Ah, bah oui, j'ai bien. Oui, bon, c'est bon, tu peux expliquer moi aussi. Bon, voilà. Et donc, il m'a dit de m'en débarrasser. Pour ça, il a prévu d'être déguisé en jeune marié. Un homme. Oh, ben futé, mon petit Zazibat, futé. Je me demande bien qui va jouer le rôle de cette fameuse mariée. Et tu sais, mon bon Caragiosis, que pour la mariée, le bey donne 50 pièces d'or. 50 pièces d'or? Et ouais. Et ben. Et avec tout ça, est-ce que tu veux en venir? Je me disais, Caragiosis, que si tu voulais, tu pouvais... Tu pouvais quoi? Tu pouvais avoir les 50 pièces d'or? J'ai peur de pas bien te suivre, là. Sois plus explicite. Je me disais, Caragiosis, que si tu voulais, les 50 pièces d'or resteraient à toi et que tu pourrais te déguiser en femme. Hein? Quoi? J'ai pas vraiment entendu. Déguise en femme. Tu as les 50 pièces d'or. Compris? Ça va pas bien de me dire des choses pareilles. Mais tu me prends pour qui, hein? Oh, et puis c'est bon, tu penses, 50 pièces d'or? C'est vrai que 50 pièces d'or, c'est beaucoup. Mais les coups de poing et les coups de pied de Barbeille aux causes, c'est du sérieux. Une fois qu'on y goûte, on peut finir à 16 la vie. Oh, mais d'habitude, tu te fais toujours frapper gratuitement, alors pour une fois que ce sera payé. C'est pas fou. La beauté de l'idée. Là,
Attends, les choses me paraissent embrouillées quand même. Très embrouillées. Quoi? Allez, je te dis. C'est bon, c'est que Barbe Ergos, tu connais. Enfin, voilà, quoi, c'est rien. C'est rien. Et ça, quand tu... Tu réfléchis. Ah oui, c'est l'histoire de sous. Oh. 50. Alors, c'est maintenant ou de suite? Bon, d'accord. Ah, c'est super, c'est super. Allez, viens, viens. On y va maintenant avant que tu changes d'avis. Eh oui, c'est moi la belle promise. Bonne chance mon ami. Donc, c'est lui qui se déguise en femme. Ah oui, ma fille. Entrez ce monsieur Zamora ici. Ok, alors vous deux, les hommes, vous restez ici. Pendant que nous les femmes, allons nous préparer. Quand Barbe Ergos arrivera, ne le ferez pas trop attendre. Vous irez le voir, vous discuterez avec lui. Et bien évidemment, lui annoncerez que la mariée la prendra tout en mailloté. Vous oubliez pas. Ouais. Bon, Karagiosis, dis-toi bien, mets du maquillage. C'est ce qu'on fait. Dépêche-toi. Oui, bah c'est bon. S'il arrive et qu'il t'attend... Oh. Ça va, pas de stressé. Oui. J'arrive pas. Le rouge à lèvres, c'est nécessaire? Oui, oui, mets-toi-en. Partout s'il le faut, mais qu'ils ne te reconnaissent pas. Oui, bah c'est bon, je suis presque prête. Ah, tant mieux, ma chère. Bon. Oui, là, des fois, c'est... Vous voyez, plus convaincant quand même. Vous êtes toutes belles. Ah, c'est mieux. Allez installer une chaise pour lui. Je passe mon chèque. Vous voulez que j'aille le chercher? Tarde. Ça se trouvait à être furieux contre nous. Non, c'est précis. Bon, on l'attend. Oh, il viendra pas. Mais si. Ah si, il viendra. Je l'entends. Il arrive? Oui. C'est la donzelle, mon vieux. Elle est où, la donzelle? Allez-y. Ne faites pas tarder. Allez-y. Barbe Ergos. Mais c'est pas toi que je veux. C'est la donzelle. Elle arrive, elle se prépare là. Mon ami, nous avons une tradition, les Ottomans. Tradition. La mariée, tu vas la prendre toute en mailloté. Ah oui. Et qu'est-ce qui va m'arriver, vieux? Vous allez me tromper sur la marchandise, hein? Non. Ce ne sera pas la mariée. Ah si. Ah, ça. Eh ben alors, ça prend. Je vais vous chercher une chaise. Alors, Barbe Ergos, comment allez-vous? Bien.
Dis quoi? Que la mariée vous la vendrait tout emmailloté. Il me l'a dit. Bien. Oui, oui, je suis prêt. Bon, je vous laisse vous divertir, regardez, observez le palais. Non, pas le diable, elle est où la mariée? Elle arrive, elle veut. Eh ben, qu'elle fasse vite et que ça saute. Mais vous connaissez les femmes, adieu. Est-ce que Bazin, mon oncle, serait arrivé? Il est arrivé, oui. Je vois. Bon. Je crois qu'il est temps pour moi de... M'en aller. Non, 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 oh, oh, oui. Calme, du calme, excusez-nous. S'il nous découvre, et nous tous qui a chimenu, ok? Ah bah justement! Ah non, tu restes là. Ma fille! J'arrive! Bon! Regarde-moi ton ch'tip qui attend! Moi je bouge! Lui il bouge aussi! Moi je me retrousse la moustache! Oh lui il se retrousse aussi! Barbaïrgos, c'est qu'un miroir! Bon! Oh, regarde comme il fait le fier! Oh! Je m'en vais te massacrer, moi! Oh! Hé, hey, c'est ma chaise! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est rien! C'est ton oncle, il s'est regardé dans le miroir! Il a cru que c'était un autre qui le provoquait! Il l'a brisé! Miroir brisé? Jolie chaise! Oui. Oh, c'est mauvais présage, ça! Oh, tu vas arrêter avec tes bêtises, toi! Oui, des bêtises, peut-être, mais avec un fond de vérité! Allez, vas-y, parce que là, sinon, il va tous te tuer si tu le fais à ton oncle. Allez, vas-y. Non. Si, vas-y. Ah, ma fille. Mon enfant. Avancez, mes enfants, afin de recevoir ma bénédiction. Non, mais avancez pas trop, maman. Alors, je vous souhaite de vivre comme de paisibles colombes. Vous vous entraînerez comme des vautours. Longue vie à tous les deux et... Un concret plutôt. Oh, faites que j'attrape toutes les maladies du monde. La peste noire, la pneumonie galopante, le typhus du ventre. Oh, au nom du malin. Amen. Bon, ben, je vous laisse, hein. Ah. Salut. Bon. Bien, là. Enfin seul, ma belle. Enfin seul. Enfin seul. Oh non. Retire donc ce voile de ta figure. Sache que c'est ta barbe ailleurs gauche que tu as à faire. Ah, justement, je suis trop timide. Oh, non, je suis trop timide. Je suis trop timide. J'en rougis, mon amour, j'en rougis. Oh, je vois. Elle veut que je parle comme les gens de la ville, on dirait. Oh, ma belle, retire, s'il t'agrée, ce voile de ta figure. Toi qui contemples le vaillant Terotokritos en personne. Oh, puis si tu fais un timide, je vais être l'enlever, ma poêle. Oh. Coucou. Oh, petite mère. Mais c'est Caragiosis. Oh. Alors, tu me renies? Homme sans entrailles? Caragiosis, c'est toi que j'ai pris pour femme. Ah ouais, je crois bien, ouais. Oh. C'est toi, Espèce de... Brigo! Oui, Brigo, m'en vais te mettre en pièce, moi! Oh, toi, toi, je suis venu! Bon, je m'en vais te réduire en bruit! Oh, ce qu'il arrive! Oh, ce coulet n'est pas encore joué! Ah, mais maintenant c'est fait! On va dire, j'allais le prendre pour époux! Qu'est-ce que j'allais prendre pour époux? Caragiosis! Oh, je suis devenu la risée de tous! Oh, je dois décamper! Pauvre de moi! Oh, là, là! Oh! Oh là là! Il m'a attrapé par la chemisette! À moitié lui restait entre les mains! Oh, je me sens mal, je crois que je vais m'évanouir. Oh, Caragiosis! Qu'est-ce qui s'est passé? On a couru un marathon! Et je suis arrivé premier! Oh, magnifique! Et Barbaïrgos,
Oh bah Barba Yorgos, on n'est pas prêt de le revoir au village celui-là. Hein. Avec le tour qu'on lui a joué, il était prêt à tout. Mais à me prendre pour femme, ça y était pas. Hein. Allez mon Caragazès, tu l'as bien mérité ta paye. Allez viens. Ah, j'aime quand tu parles comme ça, mon cher Azeratis.